On est sur l'Élinu, à la réserve de parc national du Canada de l'archipel de Mingan. On fait un projet de capture et de bagage d'aires. C'est une étude menée par Environnement Canada pour connaître les aires de mue, les aires d'hivernage des aires à duvet qui nichent dans l'archipel de Mingan. Alors, l'équipe est ici. Le bagage est en cours et on prend certaines mesures sur les individus, des mesures morphométriques. On va essayer de faire le plus vite possible, étant donné qu'on est sur place dans l'environnement, on dérange les aires qui normalement nichent ici tranquillement, sans présence humaine. 49,0. Je vais me présenter, mon nom c'est Jean-Pierre Savard. Je suis chercheur scientifique en Environnement Canada dans une boîte qui s'appelle Sciences et Technologies. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux sous-espèces d'hiver qu'on trouve dans la région, une en hiver et une en été. C'est une espèce caractéristique des canards de mer en général, c'est des espèces qui vivent longtemps. Les daires adultes ont à peu près seulement 4 œufs. Il n'a qu'une seule couvée par saison. Elle enlève tout son duvet et elle l'a autour du nid. Puis quand elle va boire, parce que les duvets ont une autre caractéristique, c'est qu'ils s'alimentent très peu durant l'incubation. Ils vont passer la période d'incubation qui est environ 28 jours sans manger. Les duvets font un œuf à peu près tous les un jour et demi ou deux jours. Puis quand ils font son premier œuf, ils le laissent là. Il s'en va, puis il revient deux jours après, font son second. Puis à mesure, ils commencent à mettre du duvet autour. Ils commencent à incuber seulement lorsque les quatre œufs sont pondus. S'il y a de la prédation, son premier œuf, il peut refaire un nid puis refaire d'autres œufs. Aussi, les colonies sont très sensibles au dérangement. C'est quelque chose qui est très important ici. La femelle ne se nourrit pas durant l'incubation, peut perdre beaucoup de poids, il devient très faible. Lorsque les jeunes éclosent, elle est en très faible condition. Et si on dérange les œufs, qu'est-ce qui se passe? Si on passe dans la colonie, la femelle va quitter son nid. Le nid va devenir plus vulnérable à la prédation. S'il pleut, les œufs peuvent se refroidir et mourir. La prédation, c'est un gros facteur chez les daires. On a des colonies. Chez une niche en colonie, vous pouvez imaginer si un renard arrive dans une colonie. Ça va annihiler la nidification de cette année-là. On était sur des nids, il y avait deux jeunes avec la tête blanche qui étaient au bout de la colonie. On a trouvé quelques carcasses. Puis une tête blanche qui était une idéale dans les verres. La niche à peu près partout. Il y a tout ouvert, ça peut nicher dans la forêt, dans les herbacées, dans les buissons. Tout ce qui donne un peu de protection. Tous les canards brillent les plumes de leurs ailes en même temps. C'est des canards très pesants. Ils ont de la misère à voler, ce qui ne peuvent pas faire comme les aigles ou les autres oiseaux qui perdent leurs plumes l'une à la fois, c'est ça qu'on arrête de voler. Ce qui les perdent tout en même temps. Puis ils deviennent incapables de voler pendant une période d'environ 4 semaines. Ça se passe habituellement vers la fin juillet au début septembre. Et les mâles muent avant les femelles muent après. Puis durant cette période-là, ils se rassemblent en grands groupes, les mâles surtout. Ça, c'est une chose qui pourrait être intéressante si jamais dans vos observations au parc, vous observez des groupes de mâles en nid, les noter. Expérience pour moi, mais vraiment, ils ont pas évident quand même, là, mais c'est juste quand tu attrapes une, tu y touches, puis tu sens vraiment la, comme,
comment c'est vivant, comment c'est vraiment spécial de tenir ça dans ses mains. Ah, vraiment, là, c'est une belle expérience, là. Ça prend beaucoup d'énergie, hein? Beaucoup de coordination, mm-hmm. de la communication aussi. Il faut que tout le monde se parle pour continuer à suivre tout ça. Mais ouais, c'est intéressant. Le fait de pogner des beaux oiseaux aussi comme ça, là, c'est assez particulier. Là, les prendre dans ses mains et les chouchouter un peu. Puis moi aussi, j'aimerais ça en attraper les 2-3 là. Je trouvais ça très intéressant. Ben, je pensais que ce serait plus intimidant, mais non. C'est très calme dès que la capture est comme au point neutre, comme au plus du tout. Fait que ça se manipule plutôt bien. C'était pas ta première fois, toi? Oui. Ben, j'ai fait le comptage des œufs, mais la capture des œufs d'art, non, c'était pas mal.